Allez, on se retrouve sur le stand de Seasons avec deux jeunes pêcheurs qui viennent tout simplement de créer, alors comment on appelle ça ? Une application mobile. Une application. FishFinder. Alors, c'est quoi comme type d'application ? Alors, c'est une application mobile, donc sur iPhone et sur Android, qui se télécharge comme toutes les autres applications. C'est un carnet de pêche. Donc, dès que tu prends un poisson, tu le prends en photo très rapidement via l'application. Ça permet de garder le poisson très peu de temps hors de l'eau. On le prend en photo, on enregistre, ça crée un brouillon. On peut relâcher le poisson, on peut se laver les mains, on peut prendre un peu de temps. Ensuite, on revient sur l'application et là, on va pouvoir enrichir la prise, donc avec toutes sortes de données. L'espèce, on la sélectionne dans notre base de données. On va dire qu'on a pris un brochet. On a pris un brochet, donc je sélectionne brochet dans la liste. On était à la pêche au leurre. La quantité, il y en a un. Le poids, je ne le connais pas parce que je n'ai pas pesé. La longueur, c'est 25 cm. La date est renseignée automatiquement. Je l'ai relâché. J'ai ajouté ma canne parce que je peux ajouter mon équipement. On peut également ajouter son leurre dans la base de données qui est fournie. Nous, on fournit une liste de références. Le lieu donc, qui est récupéré automatiquement au moment de la création de la prise, que moi je mets en public, mais vous pouvez très bien le mettre en privé et la personne ne pourra vous le voler. En gros, c'est une application personnelle pour avoir une donnée pour toi, mais tu peux aussi le partager. Tout à fait. Il y a une dimension réseau social où tu ajoutes tes amis. Donc pour chaque prise, tu vas pouvoir définir un niveau de visibilité. Tu peux la garder privée pour toi. Tu peux dire tous mes amis y ont accès, mais pas au spot. Ou alors tout le monde peut la voir. Et là, il y a même une chance d'être choisi dans les meilleures prises de la journée qui sont sélectionnées chaque jour par nos équipes. Yannick Rivière. Deuxième. Et deuxième de mon classement. Yannick Rivière, deuxième. Tiens, on lui fait un petit coucou à Yannick Rivière qu'on ira voir prochainement. Beaucoup de truites chez Yannick. Voilà, ouais, beaucoup de truites chez Yannick. Quelques ombres, à mon avis. Il y a des chances. Sans problème, mais il fait partie du jeu. Il fait partie du jeu. Et d'ailleurs, je ne me vois pas. Et il n'y a plus qu'à créer un compte et à rajouter tes poissons. Et d'accord, et là, lui, il partage ses photos. Voilà, on peut voir les photos de Yannick. Tu peux voir les prises de Yannick. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Longue vie à FishFinder.